Évêché de Colwésie, secrétariat chancellerie. Communiqué relatif aux mises en place de juillet 2023. Son Excellence Monseigneur Richard Kazadikamba, évêque de Colwésie, a nommé à la charge de 1. Secrétaire chancelier, le révérend abbé Dieudonné Mujingandumba. 2. Curé de la paroisse Saint-François d'Assise UCK, le révérend abbé Jacques Moussalika Mchaïla Wanda. 3. Curé de la paroisse Sainte-Barbe et Saint-Éloi, le révérend abbé Benjamin Yav Tchikout. 4. Curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Jekamine, le révérend abbé Léonard Kanumbikanda. 5. Curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul Kafakumba, le révérend abbé Jean-Marie Mbakamoussoua. 6. Vicaire dominical à Sainte-Barbe et Saint-Éloi, l'abbé Jacques Moulin-Mungoy. 7. Vicaire paroissial à la paroisse Saint-Jean Bosco Kassa-Jilweu, l'abbé Michel Kibessa Tchokwe. 8. Vicaire paroissial à la paroisse Saint-Jean l'apôtre de la cité Moussonoï, le révérend abbé Emery Mouchak Mbumba. 9. Vicaire paroissial à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila Kisenge, l'abbé Alain Nonde Ngandwe. 10. Vicaire paroissial à la paroisse Saint-Kizito Kasulo, l'abbé Pascal Kouzo Mawano. 11. Vicaire paroissial à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Jekamine, l'abbé Dieudonné Kombengosa. 12. Vicaire paroissial à la paroisse Christ-Roi Kassageville, l'abbé Dieu Merci Nawej Mwachamba. 13. Recteur de la chapelle de Walemba, avec comme résidence à la cure de Saint-François d'Assise UCK, l'abbé François Kadjat Mukileng. 14. Recteur de la chapelle de Kayembe Mukulu, avec comme résidence à la cure de la paroisse Saint-Pierre et Paul Kafakumba, l'abbé David Katomba Katomba. 15. Directeur du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze, l'abbé Bavon Kakez Ngwej. 16. Formateur au petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze, le révérend abbé diacre Émile Mbouya Makonga. 17. Formateur au petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze, le révérend abbé diacre Alain Makongju. 18. Envoyé aux études à l'Université catholique de Kinshasa pour y entreprendre la spécialisation en droit canonique, le révérend abbé diacre Marc Kachou Kapende. Notez bien, toutes les remises et reprises se feront entre le 13 et le 17 juillet 2023. Chaque nominé est prié de se trouver à sa nouvelle affectation au plus tard le 20 juillet 2023. Pour Kafakumba, la remise et reprise sera pilotée par le vicaire forain. Merci pour votre collaboration, abbé Dieudonné Mujingandumba, secrétaire chancelier.